Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 22 octobre. Demain, c'est le grand départ pour le road trip. Donc, il est bientôt midi, j'ai pas arrêté de courir depuis ce matin. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, c'est journée valise. Je vous prendrai un peu plus tard dans la journée pour vous montrer ce que je mets dans ma valise. Alors, je vais pas tout vous montrer. Je vais surtout vous montrer mon matériel photo, qu'est-ce que j'emmène pour vlogger. Et je vais vous montrer aussi quelques petites astuces pour ma valise, ainsi que ce que j'emmène niveau make-up, soins. Voilà, je pense que ça peut vous intéresser. Niveau vêtements, il y a pas mal de trucs qui sont vieux, donc vous pourrez pas retrouver de toute façon, donc je pense que ça sert à rien. Et honnêtement, je prends pas grand-chose parce que je compte faire beaucoup de shopping. Et j'aimerais préparer aussi les enveloppes pour les cartes postales que je vais envoyer du road trip. Comme ça, je mets les adresses et c'est déjà fait. J'ai plus qu'à glisser les cartes postales et à les écrire pendant le voyage. Ça m'évite d'oublier des gens et surtout de perdre des adresses en route. One eternity later. Bon, je vous retrouve bien plus tard. Il est bientôt quelle heure? Bientôt 22h. On est encore en train de faire les valises. Et les valises sont un peu trop lourdes, donc on est obligé de sortir des choses pour pouvoir ramener d'autres trucs. Il faut que je fasse un choix sur mes bandeaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 bandeaux. Ouais, ouais, 13. Et il y en a un avec lequel je pars dans l'avion demain. Ouais, donc on va en prendre 3. Et voilà. Non, 3 c'est non, 5. Si, si. 5. Bon, on a réussi à se mettre d'accord, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 bandeaux. Ça va 6 bandeaux? Ouais, j'avais que divisé par 2, c'est pas mal déjà. La valise a fait combien? 18 kilos? Ouais. Faut qu'on tombe à 15 kilos, ce serait bien. 15 kilos, ce serait top. Bon, je vais vous donner un petit conseil, voilà, histoire de vous donner quand même quelques astuces dans cette vidéo. Si vous prenez beaucoup l'avion, nous, on va prendre énormément de fois l'avion, on a surtout des correspondances. Et qui dit correspondance dit perte de bagages. Donc, pour améliorer la situation, on va dire, je vous conseille de faire des petites fiches avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre adresse mail, le numéro de votre vol si vous l'avez, en tout cas le maximum d'informations sur votre vol, et surtout écrire où est-ce qu'on peut vous trouver, de quelle date à quelle date. Par exemple, si vous êtes dans un hôtel, bah, le nom de l'hôtel, son adresse, son numéro de téléphone. Ce qui permet en fait, quand vous perdez votre valise, vous allez faire votre déclaration de perte. Eux, quand ils ouvrent les valises pour essayer de trouver des infos sur à qui appartiennent les bagages, s'ils trouvent tout de suite sur le dessus de la valise ces informations, bah, votre valise vous sera restituée plus vite. Alors je vous montre à peu près ce que ça rend. Donc je vous montre pas, là je cache, mais en haut on a mis nos informations perso. Et ensuite du coup on a mis, donc là par exemple demain on prend un vol Lyon-Montréal, l'heure, la date, et où est-ce qu'ils peuvent nous trouver du coup pendant notre séjour au Canada. Puisque là entre ces deux hôtels on prend la voiture. Et j'ai fait ça, donc il y a 4 fiches à l'intérieur, avec pour chaque vol, voilà. En espérant ne pas perdre les bagages quand même, voilà. Mais dans le doute, on sait jamais. Bon, du coup, avant de vous montrer un peu ce que je mets dans ma valise, je vais déjà vous montrer ce que je mets dans mon sac à dos. Donc mon sac à dos, vous l'avez vu hier dans mon haul d'anniversaire, c'est un X-Pack, donc le voici un peu plus rempli. Il est parfait pour la taille que je fais, c'est un 18 litres. Je crois qu'il coûtait 70 €, et mes parents l'ont pris sur le site Sarenza. Donc voilà, vous avez deux poches sur les côtés et une grande poche. Alors, sur les côtés, sur les poches de côté, je mets... mon appareil photo avec lequel je filme, donc c'est le Canon G7X avec un petit trépied Joby, c'est la version mini, donc celle qui est faite normalement pour les smartphones. C'est parfait pour un compact comme ça. Dans l'autre poche, juste ici, j'ai ma GoPro Hero 7 avec une petite perche comme ça, voilà, avec le boîtier et puis la petite dragonne. Voilà, donc ça je vais surtout l'utiliser pour tout ce qui est plan où c'est un peu dans l'eau, donc par exemple aux chutes du Niagara ou alors à Disney World dans les attractions, c'est principalement ce que je vais utiliser. Et du coup dans la grande poche, donc c'est une seule et unique grande poche comme ça, voilà, vous avez juste un petit compartiment pour l'ordinateur, donc j'ai bien sûr pris mon ordinateur, un petit carnet qui est en fait le... comment dire, le carnet de voyage de notre trip, où dedans il y a toutes les informations sur les vols, les hôtels, les bonnes adresses qu'on veut faire, les visites qu'on a réservées, etc. Donc c'est vraiment notre carnet de voyage pour s'y retrouver. En fait c'était tout ce qui était écrit dans mon bullet journal que j'ai reproduit là-dedans. Mon premier disque dur et j'ai le deuxième, mon second disque dur, voilà, donc lui c'est le renforcé. Avec bien sûr les câbles pour les utiliser. Ensuite j'ai une petite
petite boîte en métal comme ça que j'ai eu chez L'Occitane qui me permet dedans de mettre mes batteries de rechange et mes cartes SD. J'ai pris une batterie externe. J'ai dans cette pochette mon stabilisateur pour l'iPhone, donc c'est le DJI Osmo 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a pour terminer la pochette du voyage. Donc quand je pars en voyage, je me fais toujours une grosse pochette comme ça où en fait j'imprime toutes les mails concernant les billets d'avion ou les locations de voitures, toutes les réservations d'hôtels. Voilà, donc je me fais une petite liste logement, je me fais une petite liste transport, je me fais une petite liste activités. Voilà, et j'ai là-dedans tout ce qui est assurance voyage, ESTA, AVE, qu'est-ce que je peux avoir d'autre. J'ai aussi mes ordonnances qui sont traduites en anglais pour la douane, parce que du coup j'ai une piqûre dans ma trousse d'urgence dans l'avion, donc il faut que je puisse le justifier. Et le permis international pour pouvoir conduire la voiture, même si je suis pas sûre que ce soit essentiel. Voilà tout ce que j'ai dans le sac à dos. Voilà, donc comme je vous ai dit plus tôt, on a mis les petites fiches sur le dessus de la valise, on a encore quelques trucs à mettre. Donc on part avec deux valises, avec cette grande valise Air France qui est très très grande, et le piège c'est qu'il ne faut pas la remplir en entier sinon elle est trop lourde. C'est une valise que j'ai eue gratuitement parce que quand je suis partie au Canada il y a 8 ans, Air France m'a explosé ma valise, et du coup je suis allée me plaindre au bureau, je sais plus quoi à l'époque parce que j'étais un peu jeune, et en fait j'ai laissé ma valise sur place et Air France du coup à la place m'a donné une valise. C'est de la bonne qualité parce que je crois que voilà, c'est Air France by Le Tanner, donc elle est plutôt résistante, donc c'est cool. Et pour l'autre valise, on part sur une valise un peu plus petite, rouge, histoire de bien la reconnaître. Normalement elle devrait être assez solide aussi, c'est une Delsey. Donc on croise les doigts parce que j'ai vraiment peur de retrouver les valises en mille morceaux. Déjà si on les retrouve, c'est pas mal. J'ai vraiment peur que les valises se perdent. Je vais aller ouvrir cette petite trousse de toilette si jamais ça intéresse certains ou certaines d'entre vous. Du coup, je vais vous présenter ce que j'ai dans ces deux trousses qui viennent de chez Birchbox ou Prescription Lab. C'est des trousses que j'ai vues dans des box. Donc ça c'est tout ce qui est make-up que j'emmène, et ça c'est tout ce qui est soins. Donc dans la première petite poche, j'ai pris ma poudre que je recommande pas. C'était une Stay Matte de chez Rimmel, je l'aime pas du tout mais il faut que je la termine. Ensuite j'ai pris le Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills, donc ça c'est ce qui me permet de faire mes sourcils. J'ai pris un blush de chez Kiko. J'ai pris un fixateur à sourcils transparent de chez MAC. J'ai pris mes anti-cernes préférés qui sont les effaceurs correcteurs instant anti-âge de chez Maybelline. Donc j'ai pris deux teintes différentes parce qu'en ce moment je suis en mode de teinte. Voilà, je dois mélanger. J'ai pris une base pour les yeux de la marque The Balm. Voilà. J'ai pris mon bronzer favori de tous les temps en version mini pour que ça prenne moins de place. Donc c'est le Oula. Voilà. Ça fait vraiment très youtubeuse beauté là, tous les petits zooms. Un highlighter, c'est un mini de chez Model. Hop, j'ai eu ça dans une box probablement. Donc ça c'est pour le coup, c'est cool parce que du coup, quand vous partez en voyage, les miniatures comme ça, c'est top. Et justement, j'ai pris trois miniatures de mascara. Donc mes trois mascaras préférés. Donc le Better Than Sex en version normale et en version waterproof, et le Marc Jacobs volume, voilà. Et j'ai pris quand même une palette, donc j'ai pris une petite palette comme ça, c'est une Huda Beauty, et les fards sont vraiment très très beaux. Quand j'ai vu à Sephora, j'ai dit ok, c'est mes teintes, je prends. Pour le coup, je suis passée chez Sephora et j'ai acheté beaucoup de soins dans la partie Beauty to Go. C'est une partie de chez Sephora où en fait il y a beaucoup de produits en miniature, et j'avoue que pour partir en voyage, les miniatures c'est quand même la vie. Donc j'ai pris un masque à l'argile de chez Sephora. Hop. J'ai pris une petite boîte de chez Vita Coco, donc c'est de l'huile de coco, ça sert vraiment à tout, des maquillages, hydratation cheveux, enfin voilà, c'est multifonction. J'ai pris un dissolvant de chez Nel Matic, donc vous savez c'est ces dissolvants avec de la mousse à l'intérieur, ça m'évite de prendre des cotons. J'ai pris la miniature de mon eau Aqua Magnifica de chez Sanoflore, voilà. Ça c'est un produit que j'adore, donc que je vous recommande. En démaquillant, j'ai pris une mini Bioderma et un mini démaquillant Sephora pour le waterproof, vu que j'ai pris un mascara waterproof. J'ai pris un shampoing sec en poudre de chez Bumble and Bumble. J'ai pas encore testé, je sais pas ce que ça vaut. Aucune idée. J'ai pris une crème visage. C'est la nouvelle version de la DDML de chez Clinique qui est spéciale anti-pollution, mais c'est surtout que la texture c'est un gel, et moi c'est une texture que j'adore, donc ça je survalide, je l'ai déjà testé, je suis trop fan.
J'ai pris une crème de nuit de chez Polar, je suis pas trop fan parce qu'elle est un peu trop riche, mais c'est le plus petit format que j'ai, donc tant pis, je la finirai là-bas. J'ai pris un déo, donc j'ai pris mon déo chouchou qui est le déo noix de coco ananas de chez Schmitt. Il sent extrêmement bon, vous avez un peu l'impression d'être une pina colada géante. Voilà, avis aux amateurs. J'ai pris un échantillon de masque pour les cheveux. Voilà, je me dis cette dose ça va me faire deux fois. C'est parfait pour un mois de voyage. J'ai pris le nettoyant, le Pchit Magique de chez Garantia. Donc c'est un peeling mais enzymatique. En fait il n'y a pas de grains dedans. Voilà. J'ai pris un contour des yeux de chez OO Solutions. Et j'ai pris, je vous l'avais présenté sur Instagram, j'ai pris des mini céramidins, ma crème préférée de tous les temps. Voilà, deux mini céramidins et dans la même gamme j'ai pris la crème, juste ici, dans l'autre sens c'est mieux, voilà. Et c'est quoi, c'est le sérum qui est liquide, voilà, qui est comme ça. Je pense que c'est des formats qui suffiront pour un mois de voyage. La pochette est vraiment cool, j'aime trop cet imprimé léopard. C'est quoi la marque? Audrey LBD x Prescription Lab. Ah oui, j'avais eu ça dans une box du coup. Hyper pratique. Voilà. Bon écoutez, je vais terminer ce deuxième vlog ici, je pense qu'il aurait été très très court et pas très intéressant, veuillez m'excuser. Ça a été finalement la course aujourd'hui, je pensais avoir plus le temps de filmer plus de choses, mais en fait j'ai été carrément dépassée par le temps. Demain matin, réveil à 7h pour partir à 9h, on a notre avion à 13h, mais je préfère arriver large à Lyon-Saint-Exupéry, voilà, on fait un direct Lyon-Montréal, donc on se retrouve demain pour le jour J. Je suis à la fois tétanisée et surexcitée. À demain! À demain! Dis-toi que je vais filmer pendant un mois! Non-stop! Elle va me saouler. Hein. Montréal Trudeau. T'es là! Tu m'as pété l'écran de CD! Bon, du coup, la fameuse poutine. Et moi, je suis partie sur une classique. Ça m'a l'air bien bon tout ça.